Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme T6. Ils sont tous disponibles en T6. Même chose pour les T5 que je viens de vous présenter. Les T6 sont plus puissantes. Ils ont 316 chevaux grâce à l'ajout d'un compresseur volumétrique. Comme on voit ici, c'est un T6 inscription, le XC86. Ici, c'est la V90. C'est une T6 normale. Mais tu sais, c'est une cross-country. Mais tu sais, les T6, ils ont un compresseur volumétrique, 4 cylindres de turbo toujours. C'est un peu plus puissant que la version T5. Mais bref, c'est quand même c'est des bons moteurs. C'est comme pour compétitionner les S, j'ai vous dit. Ou les petites AMG du côté de Mercedes ou encore les M du côté de BMW. Peut-être pas les M, là, mais les 40. Là. Puis d'ailleurs, pour compétitionner S, parce que un SQ5 par exemple, et un Volvo XC60 T6, ils ont juste 40, peut-être 40 chevaux à peu près de différence. Pas énorme, là. Mais tu sais, c'est la T6 aussi, c'est un bon petit groupe. Merci d'avoir été sur le et abonnez-vous.